Bonsoir à tous et bienvenue pour ce nouveau direct. Alors bonsoir Romain, bonsoir Eliane, bonsoir Pierrette, bonsoir maman, bonsoir Dani, bienvenue à tous. Alors comme vous avez sûrement pu le voir sur Instagram, aujourd'hui on va peindre ce bouquet que j'ai juste là, qui est presque trop grand pour la caméra. Et surtout, il y a un vase transparent sur ce bouquet. Et c'est ce qui m'intéresse de peindre aujourd'hui. Parce que l'une d'entre vous, et je suis désolée, je ne me rappelle plus qui, m'avait demandé comment peindre un vase avec la transparence et tout ça. Et donc, on va essayer ça aujourd'hui. Bonsoir Cathy, bienvenue. Alors, si vous voulez une photo du vase, bien sûr, elle est sur le blog comme d'habitude. Mais aujourd'hui, j'ai une petite nouveauté. Et voilà. Comme ça, vous pouvez avoir la photo du bouquet aussi sur le stream, sur le direct. Bonsoir Régène, bienvenue. Et donc, vous n'avez pas besoin d'avoir un deuxième écran ou autre chose pour voir l'image. Alors bien sûr, ça va prendre un petit peu de place à cet endroit-là, donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Et si jamais ça vous gêne, vous me le dites et je l'enlèverai. Bonsoir Evelyne, bienvenue. Alors, donc j'ai ces fleurs qui sont des lys, des sortes de lys inca, je crois. Je l'ai noté sur Instagram, mais je ne m'en souviens plus. Et on a un vase transparent assez simple. Et on va commencer. Alors comme je veux quand même mettre en avant un petit peu plus le vase, on va commencer par ça. Et on va commencer par le placer. Alors, je vais bien mouiller mon pinceau. Alors, aujourd'hui, j'ai le pinceau rond qui est assez gros. Je crois que c'est le plus gros de la gamme. J'ai un pinceau rond, le pinceau ovale, donc plat mais à bout ovale, que j'aime bien aussi. Et bien sûr, le pinceau en forme de dague. Donc, aujourd'hui, on commence avec le plus gros. Je vais bien bien l'humidifier, ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé et des fois ça met un petit peu de temps pour se réhydrater. Voilà. Et puis je vais juste jeter quelques gouttes d'eau sur mon papier. Voilà. Peut-être les taper aussi un peu pour qu'elles coulent. Et on va commencer comme ça. Donc il y a de l'eau de manière totalement aléatoire et pas du tout réfléchie sur mon papier. Et on est parti. Alors, je vais commencer avec une nouvelle couleur que j'ai depuis pas très longtemps. C'est le gris océan de Schmincke. Bonsoir Fanny, bienvenue. Donc c'est une couleur en édition limitée qui a été fabriquée par le peintre. Cesc Farré, vous avez son nom juste en dessous si vous voulez voir. Voilà. C'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup regarder sur Instagram parce que ses aquarelles sont très très délicates et poétiques. Et du coup, j'ai eu envie d'avoir cette couleur parce que ça me faisait penser à son travail. Voilà. Donc, si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez mélanger un bleu outre-mer par exemple avec un tout petit peu de gris pour l'éteindre et avoir un bleu un peu grisé en fait. Merci Pierrette. Donc, ce sont bien des lys des Incas ou Alstroémère. Merci. Donc, avec cette couleur qui est sur mon pinceau, on va y aller. Alors, je vais essayer de placer d'abord mon vase. Et vous voyez qu'il y a des zones où l'eau fuse déjà un peu. C'est tout simplement parce que il y a de l'eau sur mon papier et on a déjà quelque chose qui se passe.
Voilà, je vais rincer un tout petit peu mon pinceau, même un peu plus que ça. Voilà. Et je forme mon vase, mais alors très brièvement. Et j'avoue que si ce n'est pas exactement la forme de la réalité, ça ne me pose aucun problème tant qu'on reconnaît que c'est un vase et qu'il se passe quelque chose. Alors je ne suis pas sûre de vouloir faire exactement un arrière-plan pour cette aquarelle, mais je vais quand même mettre une sorte de petite ombre en bas. Et je vais prendre un peu ce qu'il y a dans ma palette. Et là, je crois que c'est de l'orange toundra. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous pouvez utiliser un ocre jaune avec peut-être une pointe de violet dedans, juste pour l'éteindre un petit peu. Bonsoir Anne, bienvenue. Et je vais appliquer cette couleur juste à côté, pendant que c'est encore humide. Et peut-être de manière un petit peu irrégulière aussi pour donner un peu de caractère. Voilà. Et je viens flouter un tout petit peu les bords. Et j'ajoute un peu de couleur parce que comme un peu d'eau, pardon, comme le orange toundra est une couleur qui granule, ajouter de l'eau, ça, c'est toujours une bonne idée parce que ça va activer la granulation. Bonsoir Marie-Cécile. Prenez votre temps pour vous installer, il n'y a pas de problème. Alors, comme vous pouvez le voir, il y a Aria qui est juste là, bien installée, et elle regarde ce qui se passe. Alors, je pense que pour l'instant, on va s'arrêter là pour le vase. Je laisse beaucoup de blanc encore à ce moment-là parce que je veux placer les tiges, mais je ne sais pas exactement comment je vais les placer pour l'instant. Donc, je me laisse l'opportunité de pouvoir le faire un peu plus tard. Donc, j'ai bien rincé mon pinceau. Et maintenant, on va s'attaquer au lisse. Alors, pour les lisses, j'ai décidé d'utiliser la couleur orange de Pierrot, transparent, de Daniel Smith, qui est un beau rouge orangé et qui, je pense, va bien fonctionner avec ça. Alors, et comment vous trouvez l'inclusion de l'image sur l'écran? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ça vous gêne ou est-ce que ça vous aide? Je serais vraiment très intéressée d'avoir votre avis. Puisque je veux que ce soit quand même le meilleur pour vous. Alors je place un petit peu d'orange de Pierrot. J'essaie de ne pas avoir trop d'eau sur mon pinceau. Et je vais déborder vers le haut. Enfin, je vais aller vraiment tout en haut de la feuille pour donner une dynamique en fait. Parce que comme il y a beaucoup de choses qui se passent, enfin, il y a le vase qui est vraiment mis en avant ici, je veux qu'il y ait une sorte d'échappatoire vers le haut dans ma composition. Et donc du coup, je vais vraiment jusqu'en haut. Alors pendant que cette zone est encore bien humide, je vais intégrer un peu de jaune dedans. J'hésite à mettre du jaune de nickel azo, mais je pense que c'est un peu le meilleur choix. Ouais. Hop. Hop, j'insère un peu de jaune de nickel azo et vous savez que c'est une couleur qui va repousser un peu tout le reste. Et du coup, ce jaune va vraiment pousser l'orange de Pierrot et prendre un petit peu sa place. Alors, j'essaye de bien me servir de la forme du pinceau pour réaliser les pétales parce que le pinceau est d'une forme un peu comme un œuf avec une pointe en fait. Et du coup, c'est déjà presque la forme des pétales. Donc, autant se faciliter la tâche et se servir de ça. Alors, il y a quelque chose que je veux faire ici, c'est que je veux flouter un petit peu ces pétales-là pour donner une ouverture. Vous voyez que la couleur va tout de suite filer dans la zone humide.
Voilà. Je suis contente de voir que ça vous plaît, l'inclusion de l'image, c'est super. J'essaierai de continuer à le faire, du coup. Je sais que vous ne voyez plus mon espace avec le torchon, mais je pense que ça devrait quand même aller. Alors, sachant que je ne me base pas totalement sur l'image qui est à l'écran pour vous, parce que j'ai le bouquet juste devant moi, et donc ma perspective est peut-être un petit peu différente, mais ça devrait quand même aller. Alors aujourd'hui, j'utilise du papier au grain satiné, donc très très lisse. Je reprends un peu d'orange de Pirol et on va refaire quelques fleurs par ici. Et du coup, vous voyez qu'il y a plein d'auréoles d'eau qui se créent, mais ça ne me dérange absolument pas. C'est même plutôt une bonne chose pour moi. Voilà. Je vais rincer à nouveau mon pinceau et je vais reprendre un peu de jaune de Nicolazzo. Tout de suite, ça pousse l'orange de Pirol et ça prend toute la place. C'est magique. Alors, je vais changer de pinceau cette fois-ci parce que j'ai besoin d'un tout petit peu plus de délicatesse. Donc, je vais prendre mon pinceau ovale. Donc, vous voyez, il est plat, mais avec le bout arrondi. Et on va faire quelques tiges déjà. Et je veux les faire maintenant parce qu'il y a des zones dans les pétales qui sont encore humides. Et j'ai envie de profiter de ce moment-là pour qu'il y ait des fusions. Alors, pour le vert, je vais prendre un petit peu d'indigo. J'ai pas envie de prendre le bleu d'Indentraine aujourd'hui parce que je voudrais un vert un petit peu plus terne qu'avec le bleu d'Indentraine. Donc l'indigo est parfait pour ça. Et on va prendre un tout petit peu de jaune de Nicolazzo. Voilà. Et je veux un vert un peu froid, avec pas trop de jaune dedans pour l'instant. Je pourrais toujours rajouter un peu de jaune si j'en ai besoin plus tard. Mais pour l'instant... Voilà. Et vous voyez, le vert va tout de suite filer dans le rouge, mais ça ne me pose absolument pas de problème. Je trouve que c'est plutôt une bonne chose. Ça donne du lien entre les éléments. Je vais rajouter un petit peu de jaune de Nicolazzo cette fois-ci pour réchauffer le vert. Alors, à cet endroit-là, je vais quand même bien regarder mon image pour voir ce qui se passe. Je pense que comme ça, c'est plutôt pas mal. Il faut que je trouve un moyen d'attacher cette fleur-là. Voilà. Donc pour l'instant, je passe au-dessus de mon vase et on a peut-être l'impression que les tiges sont devant le vase, mais on va arranger ça et vous allez voir que normalement, ça devrait bien se passer pour la suite. Donc j'ai bien rincé mon pinceau et je vais juste flouter certains endroits. Pour retrouver un peu le vase. On ajoutera des détails par la suite. Mais pour l'instant, un peu plus de flou. Hop. Alors là, ça fiche peut-être un petit peu trop. Je vais rajouter une feuille par ici. Alors là, je vais absorber le trop-plein d'eau parce que j'ai une petite flaque ici qui ne me plaît pas. Alors il y a quand même un endroit où le vert est allé beaucoup trop dans le pétale, c'est ici. La zone est encore humide, donc je vais rincer mon pinceau et réhumidifier. Et ensuite, j'absorbe bien le trop-plein d'eau. Vous voyez, mon pinceau est déformé tellement il est sec. Et je vais venir absorber la zone. Et on pourra rajouter un peu de rouge tout à l'heure.
Ou peut-être même maintenant, tant que c'est encore humide. Voilà. Voilà. Alors, je vais regarder un petit peu ce qui se passe au niveau de l'humidité. Donc, je mets au niveau du papier en fait pour voir les brillances du papier. Donc, si le papier est brillant, c'est que c'est encore très humide. Et plus il est mat, plus c'est sec. Donc là, par exemple, il y a une zone très brillante. Je vais absorber l'eau en trop. Et je pense qu'on peut faire maintenant un petit peu plus de détails dans le vase. Alors, je continue avec ce pinceau-là. Et on va dire au revoir à Aria pour l'instant. Et je vais reprendre la couleur bleu grisé, donc celle qui s'appelle Océan Grès dans ma palette. Et donc si vous n'en avez pas, vous pouvez faire une couleur similaire à peu près avec le bleu outre-mer et qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? Le sépia peut-être? Du sépia ou en tout cas un marron. Pour griser un petit peu le bleu. Alors forcément, ce sera peut-être différent parce que je pense qu'il y a une sorte de turquoise en fait dans cette couleur. Il y a beaucoup de pigments qui sont mélangés, mais je pense que vous réussirez à obtenir quand même un effet relativement similaire. Alors, je vais ajouter quelques détails pendant que c'est encore humide à certains endroits. Alors, j'essaie quand même de faire en sorte que ce vase soit à peu près symétrique. Et je vais aussi essayer de penser à ma lumière. Et je voudrais que ma lumière vienne de la gauche. Donc je vais essayer de faire les couleurs les plus sombres sur la droite. Mais vous allez voir que comme c'est un objet brillant, il faut qu'on ait aussi des zones un peu plus sombres sur la gauche. Mais surtout du contraste en fait. Donc il faut qu'il y ait des zones très très claires à côté de zones très foncées. Et c'est ça qui va donner cet effet brillant à ce vase. Ça va donner la texture du verre. Alors je prends un peu de recul pour voir ce qui est nécessaire d'ajouter. Et je pense qu'on peut déjà commencer à créer une petite ombre ici. Pour complémenter la couleur que j'ai mis en dessous, je pense que je vais prendre un petit peu de rouge oxyde transparent. Et on va juste. Pour l'instant, il paraît très rouge et c'est normal. Voilà, on peut juste donner cette impression d'ombre et on va la flouter parce que c'est beaucoup trop présent. Alors j'ai fait une ombre de couleur chaude parce que je veux qu'il y ait de la chaleur avec cette aquarelle. Et je veux aussi que ça soit un peu le. Non, je vais vous expliquer ça autrement. Ça sera mieux. Comme mon objet est plutôt bleu, l'ombre qui devrait être projetée sur la nappe devrait être légèrement bleutée parce que la couleur va se transférer à l'ombre, ça va être reflété dans l'ombre en fait. Mais comme j'ai envie d'avoir une impression très chaude dans cette aquarelle, à cause des lys des Incas qui sont une couleur très chaude et que mon vase est très froid, j'ai envie d'avoir ce contraste l'objet est froid et il a une ombre un petit peu plus chaude. Ça fera penser un petit peu aux soirées d'été, ça fait un peu penser à l'été, ce genre d'ombre, et c'est pour ça que je veux ça. Merci beaucoup Fanny. Je crois que Aria sait qu'elle est magnifique et elle se montre assez régulièrement dans les vidéos. Alors,
Ici, il y a une grande zone d'humide dans ce rouge. Donc, je vais essayer juste de l'absorber un petit peu pour éviter plus d'auréoles. Et vous pouvez voir qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'auréoles dans cette partie-là. Je sais que ça pourrait faire paniquer beaucoup de gens, mais je trouve que ça rajoute de la texture et donc je ne m'en fais absolument pas. Alors, je pense qu'il est temps maintenant de faire sécher cette aquarelle, cette première couche, avant de revenir dessus. Alors, bien sûr, je vais couper le son comme d'habitude pour ne pas vous casser les oreilles. Et je reviens tout de suite après. Mais si pendant ce temps-là, vous avez des questions un petit peu plus spécifiques sur le sujet, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et j'y répondrai vraiment juste après. Alors, ça y est, ma surface est sèche suffisamment pour recommencer à travailler. Et on va s'y remettre. Alors, cette fois-ci, je vais prendre mon pinceau en forme de dague. C'est un tout petit pinceau qui va pouvoir me permettre de faire quelques détails avec un petit peu plus de précision, mais toujours en gardant un petit côté naturel, parce que les poils sont longs et du coup. Il y a des formes un petit peu aléatoires qui se créent suivant la direction que prend les poils. Alors, je réfléchis par quoi commencer pour ajouter d'autres éléments. Je pense que j'ai envie de commencer par les lisses. Donc je vais reprendre un peu de rouge oxyde transparent. Je suis désolée si vous entendez des trucs tomber. Ça ne tombe pas, c'est juste Aria qui joue avec un de ses jouets.
Alors, Marie-Cécile, détendez-vous lorsque vous peignez un vase transparent et amusez-vous parce qu'il n'y a pas de mauvaise méthode. L'important, c'est de préserver les contrastes. Donc, il faut qu'il y ait des zones très très claires, qu'il y ait du blanc qui marque la réflexion et à côté des zones très foncées qui donc vont créer le contraste et la surface, la texture. Donc, on va voir ça un petit peu plus tard, mais détendez-vous, ça va bien se passer. Alors, je trouve que mes fleurs sont très droites, donc j'aimerais juste en créer peut-être un peu plus par là, pour essayer comment dire, de déséquilibrer le bouquet. Et je vais prendre ce pinceau-là qui est normalement propre pour vraiment tirer la couleur et la faire peut-être même carrément à l'éponge en fait. Voilà. Pour la faire déborder par là. On va rajouter un tout petit peu de jaune de Michelazzo, comme tout à l'heure. Voilà. Mais je voudrais que le bouquet ait un petit peu plus de choses qui se passent par ici pour compenser la diagonale en fait. Voilà. Et du coup, je pense qu'on peut rajouter juste une feuille avec toujours le même mélange d'indigo et de jaune de Nicalazzo par ici qui va se fondre dans le reste. Et ça n'est pas grave. Même lui donner encore plus d'espace où aller. Voilà. Ça amène de la fluidité et du coup il y a ça n'est plus qu'une diagonale de en haut à droite à en bas à gauche, mais il y a cet équilibre qui se crée. Alors, Fanny, tout à fait, vous pouvez prendre du papier 300 grammes. C'est d'ailleurs le grammage que j'utilise aujourd'hui. Donc, il n'y a absolument aucun problème. C'est même plutôt recommandé parce que du coup, ça gondole moins. Vous voyez que mon papier n'a quasiment pas gondolé. Et c'est en dessous de 300 grammes où des fois, ça gondole beaucoup et ça peut être gênant. Alors, je reprends l'orange de Pirol sur mon petit pinceau. Et on va essayer de définir quelques pétales. On va essayer de construire un peu des ombres et des lumières par ici, là-haut. Et on va construire aussi un peu le contraste parce que pour l'instant tout est assez clair. Quand j'ai posé ma couleur, je rince mon pinceau et je viens flouter certains endroits. C'est un peu comme je le sens, il n'y a pas forcément de méthode pour flouter les formes. J'essaie quand même de garder les courbes qui me paraissent les plus emblématiques de la fleur et donc de flouter les courbes qui sont un peu plus discrètes. Voilà. Alors, on va encore remettre un peu plus par là. Voilà. On rajoutera un petit peu les détails tout à l'heure encore, parce qu'il y a c'est des lisses qui sont un peu tigrées en fait, et donc je voudrais retrouver ça dans l'aquarelle parce que même si je fais quelque chose qui est totalement expressif, il n'y a pas de réalisme. Pas de réel réalisme là-dedans. Réel réalisme, c'est très très bien dit, ça, tiens. Mais je veux quand même garder des éléments qui sont emblématiques de la fleur pour qu'on puisse la reconnaître. Donc en fait, c'est comme je le dis souvent, les bons détails aux bons endroits qui vont faire toute la différence. Alors, pour l'instant, je pense que je vais laisser les fleurs tranquilles et je vais rajouter un petit peu de détails dans les tiges. Donc, je vais reprendre le mélange de bleu indigo
et de jaune de Nicalazzo. Alors c'est un mélange un petit peu dangereux parce que ce sont deux couleurs qui vont filer dans les zones humides très très vite. Donc il faut peut-être faire un petit peu attention à la façon dont on pose ces couleurs. Là, j'ai une goutte d'eau, on va l'absorber avant avec l'éponge. Voilà. Donc je vais essayer de donner un petit peu plus de volume à mes tiges. Qu'il se passe un petit peu plus quelque chose, et dans cette feuille-là aussi peut-être. Vous voyez, tout de suite, j'ai effleuré la zone humide et le vert file à toute vitesse. Alors, je crée encore quelques éléments en vert. Alors, je vais remettre encore un peu de jaune de Nicalazzo dans ce vert. Je change un peu mon mélange de vert à chaque fois pour qu'il se passe quelque chose, pour que ce soit un petit peu différent et pour que ce soit un peu plus naturel aussi. Parce que le vert est vraiment jamais exactement de la même couleur partout. Donc j'essaye de reproduire ça. Et vraiment, il y a beaucoup de travail d'observation en fait quand on travaille dans l'expressionnisme comme ça, parce que je dois vraiment voir les détails que je dois rajouter. Et par exemple, lorsqu'on regarde les feuilles, on voit qu'elles ont comme des stries qui partent de la pointe de la feuille jusqu'à la tache vers la tige. Et c'est donc ce que j'essaye de faire. On peut peut-être même en rajouter encore une ici. Parce que c'est un élément emblématique de la feuille. Et c'est ce qui va aider à reconnaître la plante. Alors on va aussi rajouter un petit peu de détails par ici. Mais je m'en fais pas trop pour les tiges, parce que même au contraire, plus elles sont floues, mieux c'est, parce que de toute façon, elles sont dans l'eau. Et on travaille avec de l'eau, donc autant qu'il y a un petit peu je ne sais pas comment trop dire ça, mais cette poésie, elles sont dans l'eau et faites avec de l'eau. Voilà. Et on peut flouter aussi certains endroits qui vont donner cet aspect d'un peu trouble parce que c'est dans le vase et du coup, c'est pas forcément très très net. Alors, une question de Fanny. Est-ce qu'on peut peindre avec d'autres pinceaux parce que je n'ai pas les pinceaux que vous utilisez? Bien sûr, Fanny, bien sûr. Vous pouvez peindre avec n'importe quoi. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo où je peignais avec absolument tout sauf des pinceaux. Il n'y a vraiment absolument aucun problème à utiliser votre matériel. Au contraire, apprenez à le connaître et vous allez voir que vous pouvez réussir à faire des très belles choses aussi avec. Et bonsoir Claudie, bienvenue. Alors, on va faire un petit peu plus de détails maintenant. Dans le vase, c'est le moment. Et vous pouvez voir qu'il y a déjà des choses qui se passent vu que j'ai rajouté des couleurs un peu foncées pour les tiges. Donc il y a déjà un contraste qui commence à être construit. Et on va juste le continuer. Alors, je vais reprendre ce bleu-gris et je vais lui ajouter un petit peu d'indigo pour le foncer. Parce que là maintenant j'ai besoin d'une couleur un peu plus foncée. Et comme vous avez pu le voir, cette couleur de océan gris ici est une couleur un peu opaque. Et du coup, on ne peut pas avoir de couleur vraiment très très foncée avec. Il faut rajouter des couleurs pour avoir quelque chose de plus foncé. Alors,
Maintenant, il va falloir bien regarder l'image et essayer d'identifier les zones très sombres du vase. Donc, par exemple, j'en vois une un peu ici. Voilà. Ensuite, j'en ferai bien une ici qui se fond avec la zone un peu humide. Voilà. Et peut-être définir un tout petit peu plus cette zone-là. Et... Je vais essayer de concentrer tout de même les couleurs foncées de ce côté-là, bien sûr, mais j'ai bien fait attention à garder des zones blanches et je veux les garder jusqu'à la fin parce que ces zones blanches vont donner la texture, la brillance du vert. Et très honnêtement, si ça n'est pas exactement pareil que la réalité, ça n'est pas grave. C'est une interprétation. Je viens flouter certains endroits, je tire la couleur pour un peu flouter et qu'il se passe un peu plus quelque chose par ici. L'important, c'est que vous sentiez cette texture du vert. Et si ça n'est pas exactement comme l'image de référence, ça n'est pas un problème. C'est un peu la même chose que les lignes sur les feuilles du lys des Incas, tout simplement parce que c'est le bon détail au bon endroit qui va vous faire penser à la texture. On pourrait presque peindre juste la texture du verre, ça ferait une très belle peinture abstraite d'ailleurs, sans peindre un objet en verre en fait. Je ne sais pas si c'est très compréhensible, mais en tout cas, essayez juste d'observer qu'est-ce qui se passe. Moi, ce que je vois, ce sont des couleurs foncées à côté de couleurs claires. Et c'est ça qui fait la brillance du vase. Donc c'est vraiment ça que je veux mettre en valeur. Et si dans la vraie vie, il n'y a pas cette couleur foncée à cet endroit-là, ça n'est pas grave, parce que vous sentez la texture et c'est tout ce qui importe. Alors, Marie-Cécile, je suis ravie d'avoir vu que vous compreniez, c'est très bien, et j'espère que vous allez faire de très jolies choses à partir de maintenant. Alors, je voudrais juste définir un petit peu cette anse qui m'embête un peu. Voilà. Donc, je viens placer de la couleur un peu plus sombre par ici, et ensuite je rince mon pinceau, et je vais venir tirer cette couleur. Voilà. Ça marche peut-être de cette façon. Et Aria revient nous dire bonjour. Alors, je pense qu'on peut s'arrêter là pour le vase pour l'instant. On peut peut-être ajouter juste un petit... une toute petite zone un peu plus foncée ici. Et je vais le faire avec un mélange de rouge oxyde transparent et d'indigo pour avoir une couleur un peu plus foncée. Et c'est vraiment juste pour asseoir le vase. On ne va pas beaucoup plus loin. Je rince mon pinceau une fois que j'ai posé cette couleur très sombre. Et je vais juste effleurer les bords et les tirer un petit peu. Voilà. Peut-être juste faire la liaison jusqu'ici. Voilà. Alors, je vais à nouveau me débarrasser d'Aria parce que elle va m'embêter. Voilà. Il y a quelque chose que je voudrais faire aussi. Vous le voyez d'ailleurs très bien dans mon image de référence sur le côté. Il y a des ombres qui sont portées sur le mur derrière les fleurs. Et ça, je voudrais essayer de les peindre. Et,
Il faut qu'elle soit très légère pour pas prendre le pas sur le reste, mais je voudrais qu'elle soit là. Donc je vais prendre le reste de bleu qui est là dans ma palette. Donc il y a un peu d'indigo et un peu de ce gris océan. Mais je vais rajouter de l'eau pour avoir quelque chose de vraiment très délayé et pas trop foncé. Et je vais venir faire des ombres un petit peu au hasard. Je peux peut-être même prendre le plus gros pinceau en fait. Voilà. Et une fois que j'ai posé la couleur, je peux la flouter. Et mon eau est sale, mais c'est pas très grave. Voilà. D'habitude, c'est vrai que je prends le temps de la changer un peu. Même, ça, je pense que cette couleur sale correspond très bien à la couleur de l'ombre. Donc finalement, c'est pas une mauvaise chose. Et voilà, on a des petites ombres qui viennent ajouter un petit peu de contexte, en fait, à ce bouquet. Et Aria veut absolument jouer la star et être présente avec nous. Mais ça ne va pas être possible. Hein? Alors, je vais juste regarder si c'est suffisamment sec dans les fleurs pour faire les derniers détails. Tu restes là, tu ne peux pas avancer plus. Tu ne peux pas. Assieds-toi. Voilà. Alors. Non, 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 non. Désolée pour cette interlude. Voilà. Alors, on va faire un petit peu plus de détails dans les listes des Incas. Et surtout, maintenant, il est temps de faire ces petites taches tigrées des lys. Alors, je pourrais les faire, bien sûr, avec l'orange de pyrrole transparent, sauf que je n'aurais pas un rouge plus puissant que celui-ci. Donc, j'ai besoin de le mélanger avec une couleur plus sombre. Et pour ça, je vais utiliser l'écarlate roulée de Kinacridone, qui est un rouge un peu marron, un peu plus foncé que... beaucoup plus foncé même que l'orange de pyrrole, si on l'utilise bien condensé. Donc cette fois-ci, j'ai vraiment pas beaucoup d'eau sur mon pinceau, mais beaucoup de pigments pour avoir la couleur la plus... puissante de cette écarlate brûlée de Kinacridone. Et vous voyez là, je vais tenir mon pinceau proche des poils, vraiment très très proche des poils, parce que je veux un petit peu plus de précision. Et je vais juste me servir de la pointe pour faire des petites taches à certains endroits. Et je vais essayer de suivre un peu la direction que prend la fleur, même si elle est plus qu'abstraite cette fois-ci. Voilà. Je vois que vous appréciez l'interlude avec Aria. Je pense qu'elle s'est bien amusée elle aussi. Voilà. Donc je continue un petit peu mes petites tâches. J'essaie de ne pas forcément être très rigide dans la façon dont je les fais. Il y en a qui seront plus petites, il y en a qui seront un peu plus grosses. Et c'est aussi bien. Voilà. Alors, je prends un peu de recul.
Je vois qu'il n'y a peut-être pas assez de contraste dans cette fleur, dans cet amas de fleurs ici. On va essayer d'arranger ça. Alors, je vais prendre un mélange cette fois-ci d'orange de pyrole. Je vais le faire juste à côté d'ailleurs. Avec l'écarlate brûlée de quinacridone, comme ça j'ai une couleur un peu plus sombre. Mais toujours qui sera en lien avec les couleurs que j'ai utilisées dans cette aquarelle. Et encore une fois, j'essaye vraiment de me servir du pinceau pour réaliser les formes des pétales et pour me rendre la tâche un peu plus facile. Bonjour Marion, je travaille debout quand je fais les directs et même quand je peins pour les vidéos du vendredi. C'est assez rare finalement que je travaille assise. Et je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler debout d'ailleurs parce que je peux vraiment bouger j'ai plus de liberté dans les mouvements. On va encore en rajouter une par ici. Et peut-être une pointe par là qu'on va flouter. Donc j'essaie de complexifier un petit peu cette zone là-haut qui me paraissait un petit peu plate. Et donc j'utilise toujours le mélange de orange de pyrole et écarlate brûlée de quinacridone. Donc, je voyage un peu au sein de tout ce bouquet pour voir où on a besoin d'un petit peu plus de définition, où on peut rajouter un petit peu plus de rouge. Et des fois, je vais venir flouter la couleur vers l'extérieur pour donner un peu une échappatoire, quelque chose de, une sorte de fluidité en fait. Peut-être même rajouter un peu de couleur ici et la faire déborder. Voilà. Alors, j'essaie de vraiment bien évaluer ce qui manque et peut-être que on peut faire encore un petit quelque chose dans le vase. Mais alors cette fois-ci, je vais vraiment utiliser quasiment que l'indigo, qui est une couleur très très sombre, parce que je crois que j'ai besoin d'avoir encore des points un petit peu plus sombres dans mon image, par exemple ici. On peut peut-être définir un petit peu la tache de lance. On viendra aussi flouter à certains endroits aussi, tout ça. Hein. Mais petit à petit, en fait, je vais construire le contraste, ce qui va apporter encore plus cette texture de vert. Alors, pourquoi pas un peu de reflet orange sur le vase? Pourquoi pas? Effectivement. Alors d'abord,
juste flouter à cet endroit-là, qui a un petit peu moins de définition. Voilà. Alors, je vais regarder mon image de référence. Je vois pas vraiment de reflet orange sur le vase. C'est un peu pour ça que je m'étais même pas posé la question. Le seul endroit où je pourrais voir un reflet, ce serait ici, parce que c'est l'endroit où les fleurs sont les plus proches de la texture du verre. Donc on va essayer, on verra bien. Mais comme il y a déjà du bleu, ça risque de faire un peu du gris. C'est aussi ça le problème. Mais si on y va peut-être tout en transparence. Peut-être un petit peu plus flouté. Je ne sais pas, je ne suis pas trop convaincue. Ou peut-être aussi à cet endroit-là. Cet endroit-là, ce serait plutôt du vert parce qu'on voit les tiges qui se reflètent dans le vert. Moi, je vois vraiment plus les tiges qui donnent la couleur au vase plutôt que les fleurs. Eh bien, je pense qu'on a terminé avec cette aquarelle. Je réfléchis toujours à savoir s'il y a quelque chose que j'aimerais rajouter. Et peut-être encore un tout petit peu de rouge, mais alors cette fois-ci un petit peu plus dilué. Juste ici. Alors, faut-il faire un reflet pour la surface de l'eau ou le fond? Je ne pense pas. C'est vrai qu'on ne voit pas la délimitation de l'eau dans mon vase, mais je ne suis pas sûre de la voir non plus sur mon image de référence. On pourrait peut-être avoir en fait, je vais rincer mon pinceau correctement, voilà. Cette zone-là est encore un petit peu humide, il y a donc du bleu indigo. Et je pourrais peut-être juste pousser cette couleur pour donner cette délimitation, mais vraiment tout en douceur. Et peut-être que ça peut suffire, tout simplement. Mais on n'a pas besoin d'avoir une délimitation très nette et surtout vraiment une ligne. Parce que c'est de l'eau, parce qu'il y a des reflets et que parfois on ne verra que le reflet et pas forcément ce qu'il y a dans le vase. Donc c'est quelque chose à faire vraiment tout en douceur et presque un peu en pointillé en fait, pour qu'il n'y ait pas vraiment cette ligne qui barre le vase. Eh bien, je pense que j'ai terminé avec cette aquarelle. Bien sûr, si vous avez des questions, je peux encore y répondre. Et aujourd'hui, d'ailleurs, vous avez beaucoup de questions. C'est très intéressant. Oui, vraiment, pour ce reflet de la surface de l'eau, je préfère en faire un petit peu moins qu'un petit peu trop parce que j'ai peur que ça coupe le vase un peu en deux. Et oui, j'ai fait une petite ombre pour le fond du vase. C'est vrai que... Oui, là, je vois ce que vous voulez dire. Et c'est très bien. Il y a un petit quelque chose ici. Et là, je vais juste venir le flouter. Mais il y a un petit quelque chose, vous avez raison. Je reprends un petit peu de bleu indigo. Voilà. Voilà, donc j'ai juste ajouté un petit peu cette ombrée et pareil que le bord de l'eau dans le vase, c'est un peu en pointillé, c'est là sans être trop présent parce qu'il y a les reflets, parce qu'il y a les tiges et parce que je veux cette brillance surtout du vase. Eh bien, j'espère que cette démonstration vous a plu.
Bien sûr, comme d'habitude, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo. Et cette vidéo concernera les chardons. Vous savez que j'aime bien les peindre et on va encore en faire. Donc, vendredi. Et bien sûr, on se retrouve aussi mardi prochain pour un nouveau direct. Je ne sais plus ce que j'ai prévu, je crois pas que j'ai encore prévu mon sujet, mais je vais trouver d'ici là, ne vous inquiétez pas. Si, bien sûr que je l'ai prévu, j'en ai parlé d'ailleurs tout à l'heure, ce sera des figues. Pour changer un petit peu des fleurs, j'essaye de trouver d'autres sujets, et donc mardi prochain on fera des figues. Alors, je vois que vous n'avez plus de questions, donc on va peut-être s'arrêter là. Merci beaucoup d'être présent pour ce direct. Comme je l'ai dit, on se retrouve vendredi pour une nouvelle vidéo et mardi prochain pour un nouveau direct. Et n'hésitez pas à poster vos créations sur Instagram si vous en avez envie. Je suis ravie de les voir et de les commenter. Pour vous donner quelques conseils si vous en avez besoin. Et bien sûr, vous pouvez aussi me poser des questions dans les commentaires en dessous. Je vous réponds toujours avec beaucoup de plaisir. Et bien, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'être présents et on se retrouve donc vendredi. À bientôt.